djihad islam en France, c'est ce qui se passe ethnique en Guinée. C'est la même chose. Oui. Donc les musulmans sont devenus souffre-douleurs de la France parce qu'il y a une partie de la France qui veut entendre ça. La Guinée aussi, c'est un côté ethnique parce que la plupart des Guinéens ont une insuffisance mentale. Quand tu as une insuffisance mentale, tu ne veux pas voir l'autre. Tu as peur de l'autre. C'est le seul pays, là où les gens disent ouvertement et ils en font une tradition. Telle ethnie ne va jamais accéder au pouvoir. C'est le seul pays qui fait cela. Le seul pays. Vous n'allez pas me dire que Satan ne dort pas là-bas ou il n'a pas de femme là-bas. Il doit avoir, je pense que la dulcinée de Shaitan doit être en Guinée là-bas. Surtout qu'elles sont tout le temps nues. Tu vois les collants, tu vois toute la forme. Les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils. Qu'est-ce que tu veux voir de vrai? Qu'est-ce que tu peux dire de vrai? Tout est faux sur toi. Mes frères, battez-vous contre cela. Essayez de vous battre contre ce genre de choses. Et laissez les voiles tranquilles. Les nues, les filles vertes de terre. Battez-vous contre ces filles vertes de terre-là. Elles-mêmes, elles vous souillent. Elles sont souillées. Elles vous souillent. Elles souillent votre vie. C'est très important de se battre comme ça. Regardez les 100 femmes influenceuses africaines. Aucune n'est naturelle. Aucune n'est vraie. Vous pensez qu'elles vont apporter quelque chose à l'Afrique? Pas grand-chose. Ça m'étonnerait. Mais l'avenir nous le dira. Si moi, mon côté arabe, là, ça va apporter quelque chose, on verra bien. Si ça n'apporte rien, ça aussi, on verra. C'est l'avenir qui va nous le dire. Mais Alpha Condé, pour une fois, il est dans ses droits. Ce qu'il fait, c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, celui qui est venu rentrer dans le RPG ou l'UFDG, parce que c'est ton ethnie, je pense que dans l'avenir, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Commencez à vous préparer. Que chacun se dise, là où je suis là, je vais bien vérifier. Hein, pourquoi je suis là exactement? Parce que vous allez pleurer. Hein? Oui, ça ce sont des leçons. Ça s'est passé pour Sékoutouré. On disait que ce sont les Mansas. Mais les gens n'ont pas compris. Pour compter, quand il est venu, on a vu ethniquement comment la stratégie qu'il avait à sa façon. Ça n'a pas fait réveiller le Guinéen. Alpha, Dadis est venu, c'était rapide. Konaté est venu, c'était rapide. Eux là, on va les laisser. Alpha est venu, on voit ce qui se passe ethniquement. Jusqu'à présent, il y a des gens qui ne sont pas réveillés parce qu'ils ont Satan au corps, les fétiches. Ce sont les fétiches qui rendent les gens égoïstes et orgueilleux. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Et Alpha, pourquoi il tient toujours de fausses promesses? C'est le côté ethnique là qui a trompé les gens. Nous avons vu pendant les élections ici, avant les élections, pendant les campagnes, quelle est la ville de la Haute-Guinée qui n'a pas manifesté contre Alpha? Quelle est la ville? Presque toutes. En tout cas, plusieurs. Qu'est-ce que Alpha a fait quand il est sorti? Il dit que l'affaire de Yara Traoré, vous avez oublié? Un président peut dire ça. Mais parce qu'il sait que cet électorat et que cette zone-là, c'est comme ça qu'il faut les prendre. Vous pensez qu'Alpha va respecter ce genre de personnes? Qu'il va leur donner quelque chose? Ça m'étonnerait. Au moment là, arrivé, tu dis cela. Moi, nous, on te répond que 10 ans, 10 ans, si Yara Traoré ou je ne sais pas, l'histoire de Yara Traoré pouvait se multiplier par 20, Ça n'a qu'à se multiplier par 20. Mais toi, on ne veut plus. L'affaire de Kassori est venue. Beaucoup de personnes, beaucoup de sous-sous, tout le temps, ils sont en train de critiquer Kassori. Excusez-moi, hein, mais les mêmes personnes ont défendu Kassori que parce que, ouvertement, c'est quelqu'un de ma communauté. Maintenant, on va voir dans quelques mois, les mêmes personnes vont dire qu'ils sont fâchés. Il faut savoir ce que tu veux. Il faut savoir te faire respecter. Je vois souvent les gens qui disent, dans certains commentaires, dans certaines vidéos, dans certaines discussions, que Alpha, c'est quelqu'un, il n'aime pas les gens qui l'aiment. Il n'aime pas qu'on lui court après. Il aime les gens qui ripostent. Il aime les gens qui je ne sais pas, les gens qui lui résistent, qui l'aiment cela. Mais c'est normal. C'est tout à fait logique. C'est tout à fait logique. C'est pourquoi les gens qui sont dans les trucs à cause de leurs ethnies, la personne ne peut pas vous respecter. C'est tout à fait logique. Ça, ce n'est pas que Alpha. On voit pour lui aujourd'hui parce que c'est lui.
il est question de lui, il s'agit de lui. Mais le jour qu'il y aura une autre personne, il approchera d'autres ethnies. Ça, c'est sûr. Parce qu'il sait que... Non. Ça... Mais je ne sais pas pourquoi les gens sont accrochés à ces histoires ethniques-là. Pourquoi les gens ne veulent jamais approcher d'autres personnes? Même dans les vidéos, les gens n'ont pas honte de s'asseoir. Moi, je défends ma communauté. Moi, je défends mon ethnie. Mes frères et sœurs, votre ethnie, vous la défendez pas. Vous êtes déjà de cette ethnie. Vous êtes déjà de cette ethnie. C'est fini. C'est un électorat qui est gagné. Il y aura toujours des gens de cette ethnie qui viendra vers vous à cause de votre nom de famille. Oui. Pourquoi tu te casses la tête pour ça? Tu cherches autre chose. Parce que les autres, là, ils sont déjà là. C'est ce que Alpha a fait. C'est très simple. C'est pas sorcier. Cela doit profiter à d'autres personnes. D'autres personnes, d'autres partis politiques. Et je sais que l'UFDG va en tenir compte. Je sais que l'UFDG, là où ils sont là, ils réfléchissent à tous les points faibles et points forts. On a vu pendant ces dernières campagnes comment ils ont fait. On a vu même dans leur façon d'habiller, leur façon de se comporter, comment ils étaient. Tout le monde a remarqué cela. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui là et qui va se passer, ils vont en tenir compte, ils vont en profiter. Vous et moi, ceux qui réfléchissent parmi nous, vont en profiter. Vont réfléchir là-dessus. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme moi qui ai remarqué que les faux cheveux, les faux teints, les faux ongles, les faux cils, les faux teints, finalement, c'est de fausses personnes. Tout ce qu'elles disent, elles représentent des chayatines. Elles représentent le démon. Le démon qui s'occupe des faux cils, il va venir. Il va te faire voir ce qui n'est pas réel. Tu vas rater ta cible. Tu vas mener un faux combat parce que tu es fausse. C'est ça la vérité. Oui. Tu veux attirer les hommes, mais tu les attireras. C'est tout. Point. Celles qui sont sexy depuis des années. Monsieur le féticheur qui n'est pas content de mon habit. Qui sont sexy depuis des années. Nos sœurs, nos mamans qui l'ont été. Et toutes ces femmes-là, qu'est-ce que ça leur a apporté logiquement? Rien. Jusqu'à présent. Donc, il est temps de te poser la question. Je prends le style arabe ou le style américain ou le style africain. Qu'est-ce que je prends? Qu'est-ce que je fais? Qui puisse peut-être changer les choses. Il faut tout essayer. Là où tu te trouves. Là où tu trouves ton compte, tu vas là-bas. Là où c'est pas bon, tu as essayé, tu quittes là. Donc, attendez, hein, chacun son problème. Oh, Marie m'écrit. Maintenant, à force de tenir des fausses promesses, Alpha est comme Iblis. Shaitan passe tout son temps à mentir. Shaitan ne tient jamais ses promesses. Alpha n'a jamais tenu de promesses. Quand on dit que c'est un président satanique, vous vous fâchez. Ça, c'est des signes. Le mensonge. Dieu n'aime pas ça. Les fausses promesses, il n'aime pas ça. Donc, si tu as une petite connaissance islamique, tu dois savoir que le mensonge... Quand je vois les Guinéens qui disent... Que oui, la politique, c'est le mensonge. La politique, c'est le mensonge. Non, non, non. La politique, c'est pas le mensonge. Si la politique, c'est le mensonge, c'est pour qu'on est dans ce qu'on est là. Maintenant, pourquoi les gens ne sont pas contents quand les présidents ne réalisent pas leurs promesses? Si c'est vous qui dites que c'est là. J'ai déjà entendu ça. La politique, tout est permis. Il est permis de mentir. Il est permis de tout faire, sauf de tuer. Mais à force de mentir, ça pousse les gens à tuer. D'ailleurs, pourquoi tu mens?
Je ne vois pas tous les commentaires. On me dit qu'il y a quelqu'un qui écrit un commentaire. Qu'est-ce qu'il a dit? La politique, il faut mentir. On a le droit de mentir, sauf le droit de tuer. On a le droit de tout faire, sauf le droit de tuer. Mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui disent que c'est Dieu qui donne le pouvoir. Donc Dieu te donne le droit de mentir pour accéder au pouvoir. Ah, les Guinéens sont forts, hein? Et ils sont surpris que ça ne marche pas. Ça va marcher. Attendez, il faut que je réponde, hein, parce que ça, c'est mon mari. Il faut que je réponde. Les promesses qui n'ont pas été tenues pendant 10 ans, ça va être tenu maintenant. Un gouvernement qui est en double fil, en mi-temps, quoi. Première mi-temps, comme au match de foot. Après deuxième mi-temps, après, je ne sais pas ce qu'on va voir, au bout de combien de temps, le gouvernement n'est pas fini, deux mi-temps, après les deux mi-temps, eux aussi, ils auront le temps de choisir leur directeur, leur tout ce que vous savez, ça aussi, ça va prendre peut-être un mois, deux mois, trois mois, 2021 est fini, donc 2022, qu'est-ce qu'on va faire? Tout cela, pourquoi? Vous savez que tout cela pourrait arriver parce qu'il y a trop de problèmes autour. Il y a eu trop de soucis pour obtenir, pour aller là. Est-ce que ça valait le coup? Oui, l'entourage de Alpha n'est pas bien. Il a des ennemis autour. Il y a des gens qui étaient avec Conte, qui sont avec lui. Les secrets sont dehors. Rien ne va. Tout ce qui se passe à Sempouré, tout le monde est au courant de tout. Cela n'est pas normal. Ça devrait être caché. Cela devrait être secret. Vous avez oublié que ce monsieur-là, il est vieux. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Que quand tu arrives à un certain âge, c'est-à-dire, tu es comme un enfant. Tu reviens à l'âge d'enfant. Quand tu arrives à un certain âge. Alpha est arrivé à l'âge d'enfant, oui ou non? Oui. Ça, les gens le savent. Mais le côté ethnique les bloque. Ils savent qui n'ont rien eu ethniquement. Leur région n'a rien eu ethniquement, si on le prend dans le sens ethnique. Mais non, on préfère rester là. Ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. Il faut se débarrasser de cette maladie-là. C'est une grave maladie. Si tu ne te débarrasses pas de cela, ce président-là ou ce leader politique, il ne va pas te respecter. Parce qu'il sait que quoi qu'il fasse, ce qui te tient là, ça te tiendra. Quoi qu'il fasse, ça c'est valable pour tous les partis politiques. Tous les partis politiques, là où on te tient, le côté ethnique, c'est-à-dire tu seras toujours de cette ethnie. Donc si on te tient de ce côté ethnique, quoi que cet homme politique, quoi qu'il fasse, tu seras avec lui. Parce que tu ne vas pas changer d'ethnie. Tu seras avec lui jusqu'à sa mort. Et quand quelqu'un d'autre viendra avec la même stratégie, la même technique, ça va marcher. Parce que toi, c'est ce qui te tient. Toi, tu n'as pas d'autre souci. Toi, c'est ton ethnie qui t'intéresse. Qu'on te dise que ton ethnie est au pouvoir. C'est tout ton problème. L'eau, bah, l'électricité, ça viendra après. Si ça chauffe, tu vas te plaindre. Mais à un moment donné, on va te rappeler le côté ethnique. Tu vas laisser l'eau et l'électricité, on s'en fout. Moi, mon ethnie est là. Ma vie, elle est faite. Ma vie est belle. L'électricité, là, l'eau, on va attendre. Ça viendra après. Il va amener. Il amènera. Ça va se régler. Tu te donnes de faux espoirs. Et cette personne, ce système-là va mourir tes faux espoirs. Parce que toi, tu es dans la fausseté. L'histoire ethnique, c'est un faux truc. Mais moi, j'apprécie que ça se passe dans ce sens. Même si ça ne profite pas à qui ça doit profiter. Parce que normalement, on sait à qui ça doit profiter. Mais ça profite à nous autres, à d'autres personnes qui veulent réfléchir, qui veulent analyser, qui veulent que ça avance. Parce que quand tu veux que ça avance,
Tu ne te mets pas de barrière. Tu ne te mets pas de barrière. Tu te dis, où que ça, d'où que ça vienne, mon bonheur, d'où que ça vienne, j'élargis mon champ de vision. Ça peut venir à gauche, à droite, devant, derrière, n'importe où. Ah non, moi, il faut que ça vienne de là, coûte que coûte. Si je suis braqué sur là, il faut que ça vienne de là, coûte que coûte. Ce n'est pas une affaire de Dieu, hein? C'est de la politique ou c'est autre chose ou c'est un business. N'importe quel truc viendra de là. Je ne regarderai pas par ici. Je ne regarderai pas autour. Je regarderai juste là et je resterai là. C'est ce qui se passe et c'est ce qui va se passer. Donc, les gens qui font du bruit, qui vont critiquer, après, qui vont revenir parce que d'autres défendent leurs ethnies, ça veut dire que vous êtes dans le même cercle et que les gens là, ça, ils le savent. Si vous avez fait ça pour Kassori, pour Oye, pour Ousmane Kaba, pour Alpha, pour moi, pour n'importe quelle personne, cette personne aura ça dans sa tête pour autre chose. Il va dire, ah, de toutes les façons, tu sais, quand il y aura une confrontation ethnique, mon ethnie viendra aussi au courant. On s'en fout, même si on ne fait rien. Ça, c'est des faux pas politiques. C'est très grave pour les gens qui sont en train de se battre. Ceux qui ne se battent pas, ceux qui sont dans ce système, peuvent en profiter. Vont en profiter, pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Peut-être moi aussi, pourquoi pas? Vous aussi, vous allez vous dire, ah, ça a marché pour Kassori, bon, pourquoi pas moi? Ça marchera pour moi, ça a marché pour Intel, ça marchera pour moi. Mais il faudrait que vous sachiez, vous allez vous battre 1000 ans, 100 ans. Tu vas être dans un business, tu vas être dans un réseau, 80 ans. On va prendre sur le Front National en France ici, Marine Le Pen et son père, regardez ce qui s'est passé. Marion Le Pen, regardez tout ce qui se passe dans cette famille. Ceux-là vont prendre un Guinéen, un Malien, un Sénégalais, un Burkinabé, un Japonais, un Chinois, qui va amener une nouvelle touche au Front National. Vous pensez qu'ils vont cracher dessus? Non. Ils ne vont pas cracher dessus. Ils vont récupérer. Ça, c'est de la récupération politique. C'est un trophée. Ils vont récupérer cette personne. Si c'est un Noir, Dieu merci. Ça va montrer que le Front National français, ce n'est pas des racistes. C'est tout. Même si la base est raciste. Donc, si vous êtes dans vos partis politiques pour une question ethnique, mes frères et sœurs, vous pouvez rester dedans, mais vous serez déçus. Vous serez toujours déçus, quelle que soit l'ethnie. Quelle que soit l'ethnie. Même si vous suivez quelqu'un ou vous êtes avec une personne qui dit que moi, je défends ma communauté, c'est quelqu'un qui a un attardé mental. Je vous le dis tout de suite. Donc, toi, tu n'élargis pas ton champ de vision. Donc, c'est ta communauté qui vient te suivre et te regarder. Mais ce que tu dis, ta communauté le sait déjà. Vous êtes de la même communauté. Tu ne vas rien lui montrer qu'il ne sait pas. Il le sait. Vous avez à peu près la même éducation, les mêmes fréquentations, les mêmes coutumes. Il n'apprendra rien. Mais s'il est limité mentalement, il va se sentir rassuré. Il va courir derrière. Parce que je ne comprends pas ces choses. Donc, Alpha, politiquement, il est reconnaissant. Quand il fait des deals politiques, il essaye de les respecter. Maintenant, cela lui joue des tours parce que cela met le pays en retard. Cela l'empêche et empêche tout le monde de travailler. Cela fait que tout le monde attend sa récompense politique parce que c'est des deals, que ce soit écrit, que ce soit pas écrit. Ceux qui ne sont pas contents pour Mouktar Diallo, ceux qui ont leurs parents ou leur grand-mère ou, je ne sais pas, arrière-grand-parents, Mouktar Diallo, moi j'avais vu ce monsieur-là. Je ne le connais pas. Je l'ai vu avec la pancarte à Barguelandé pendant cette affaire de constitution. J'ai vu d'autres personnes qui se sont battues ici pour cette affaire de constitution. Mais ceux qui sont leurs arrière-grands-parents du RPG, on ne les voyait pas. Il ne faut pas oublier cela. Et nous n'avons continuité. C'est parce que la constitution est passée. Pourquoi à ce moment-là, les gens-là ne se sont pas levés pour se battre? Il y a des gens qui se sont levés, qui se sont battus. Vous pensez que Alpha ne doit pas les récompenser politiquement? Mais bien sûr qu'il va les récompenser politiquement. Mais cela ne va pas faire qu'il travaille. Non, il va rester dans ses récompenses. Donc à un moment donné, c'est à ce moment-là que les gens devaient réfléchir, que nous tous, ah, ce monsieur-là aime les récompenses politiques, hein? Ah, nous, on n'a rien eu, hein? Malgré que c'est notre ethnie, ou malgré ceci ou c'est ça, on n'a rien eu. On va essayer vraiment de bien réfléchir, de trouver d'autres solutions. Mais non, moi, c'est mon ethnie, point. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne sont pas contents.
demain, ils ne seront pas contents. Ce qui n'a pas été fait en 10 ans ne sera pas fait en 6 ans. Ce qui n'a pas été fait quand il était un peu plus jeune ne peut pas être fait pendant qu'il est un peu vieux. Ce qui n'a pas été fait pendant qu'il est en meilleure santé, ça ne peut pas être se faire aujourd'hui parce qu'il a une mauvaise santé. C'est ça, c'est l'âge. C'est la vie qui est comme ça. Il faut respecter ces choses. Maintenant, c'est aux gens, aux électeurs, à la population de se dire que ah, j'aime cette personne, j'aime ce parti, c'est mon ethnie, mais tel ou tel ou tel ou tel point ne vont pas. Il faut que je commence à voir autre chose. Sinon, tu seras déçu. Il ne doit rien. Ce monsieur-là s'est fait beaucoup d'ennemis à cause de cette histoire ethnique. C'est pareil pour ces loups. C'est la même chose. Tous les problèmes que ces loups a aujourd'hui, c'est cette histoire de peuple. Ce n'est pas autre chose. Vous pensez que ces loups n'est pas en train de réfléchir? Vous pensez que l'UFDG est en train de dormir? L'UFDG n'a pas besoin d'armes. L'UFDG n'a pas besoin de guerre. L'UFDG est là, regardez, prendre les points. Tournez ça en sa faveur, un de ces jours. D'autres partis vont le faire. Tout le monde, ceux qui réfléchissent correctement, ceux qui veulent rester dans leur cocon ethnique. Mais il faut rester là-bas. Cela ne dérange personne. C'est vous que ça va déranger parce que vous serez déçus. Vous serez énormément déçus. Et ceux aussi qui se disent toujours, ah, tel à tel poste, il n'a pas aidé son ethnie. Tel à tel, telle relation, il n'a pas aidé son ethnie. Mais est-ce que vous pouvez laisser cette histoire d'ethnie là où elle est? Mais pourquoi on ne met pas les ministres par ethnie? C'est-à-dire, tel ministre s'occupe de l'ethnie Soussou. Voilà, comme si c'était toi le président des Soussou. Tel ministre, c'est-à-dire le nombre de ministres, nombre d'ethnie. On fait des présidents ethniques autour d'un seul président qui va gérer les présidents ethniques. Et les présidents ethniques vont gérer les ethnies. Ça aussi, c'est une forme, c'est une nouvelle forme de politique, puisque le pays est ethnicisé. Vous vous dites que tel ethno, c'est nous qui nourrissons cela. Nous le nourrissons. Et les gens font des campagnes sur cela, comme Alpha, c'est propre, c'est clair. Le malinqué qui vote pour comment il s'appelle l'autre, pour compter, il est temps, il est ci, il est ça. Au vu aussi de tout le monde, et vous suivez celui-là. Pendant un mandat, deux mandats, trois mandats, vous n'êtes pas content. Vous êtes surpris. Parce qu'il y a des gens qui sont leurs parents. Non, votre parent, vos parents, vos enfants qui sont décédés, qui ont eu tel ou tel ou tel problème, est-ce que c'est par rapport à l'ethnie? Est-ce que c'est par rapport à la Guinée? Est-ce que c'est par rapport à quoi? Parce que tu es un parti, tu rentres dans un parti politique normalement parce que tu te dis ce parti politique va sûrement apporter des choses au pays. Et moi je vais rentrer dans l'histoire de ce pays parce que j'ai adhéré à ce parti. C'est ça logiquement, c'est comme ça que ça se passe. Mais non, moi je rentre dans ce parti politique parce que c'est mon ethnie, ça va sauver mon ethnie. Tu t'es mal barré. Tiens, mon frère, la Guinée est une famille, quand ça nous arrange, c'est une famille lâche et hypocrite. Il faut arrêter ça. Nos ennemis, c'est souvent nos frères et sœurs. Ça, c'est dans toute l'humanité. C'est valable dans toutes les histoires. Jésus a été trahi par qui? C'était juste les gens qui étaient à côté. Le prophète, qui l'a combattu? C'est sa propre famille. Donc, il faut arrêter ça. C'est ça la vérité. Pendant les campagnes, pourquoi vous n'essayez pas de réunir les ethnies? Pourquoi vous n'essayez pas de parler d'un peu de vérité, un peu de justice? Jamais. Vous êtes là dans votre ethno-stratégie. Tout ce que Alpha a dit là, c'est condamnable. C'est condamnable. Tout ce qu'il a dit, tout ce que Genet Kaba a dit, c'est condamnable. Jusqu'à aujourd'hui, cela devait être condamné, bloqué d'Alain de ne pas entrer à Cancan. Cela ne se fait pas. Ça se fait que dans un pays comme la Guinée et que les gens cautionnent cela. Ce n'est pas normal. C'est les gens de Cancan même qui devaient se lever que ça, c'est un fils de la Guinée. Genet Kaba devait venir dire à Cancan que Cancan, c'est pour tous les Guinéens. Et si on fait cela, une autre ethnie vient un jour faire la même chose. Un Koyaka dit que maintenant, Koyala, personne ne passe ici. Parce que tu ne peux pas aller en Guinée n'importe où sans que tu ne passes par Koya. Qu'est-ce que vous allez faire?
pas aller au Fouta. Je ne veux pas aller au Haute Guinée. Moi, je ne veux pas aller en Forcalia. Comment je fais? Il faut arrêter vos trucs. La Guinée est une famille type. Quelle famille? Les familles, quand les autres meurent, les autres frères et sœurs sont là, ils attendent. Non, une famille, ce n'est pas ça. Une famille, quand on touche à ton frère, on te sent, on te voit. Une famille, quand on touche à ta mère, on te voit, on te sent. Tu n'attends pas, hein, pour dire que non, c'est la famille, il faut l'aider. Non, ça c'est des conneries, mon frère. Tu ne peux pas dire que un soussou qui vote pour, un malinqué qui vote pour un tel est ci ou ça, et que tu dises que ça c'est une famille. Non, ils doivent dire dans leur campagne, on va voter pour un tel, vote pour un tel, parce que c'est un Guinéen. Moi ne vote pas pour moi à cause de mon ethnie, hein. Ça, on doit le dire. Surtout quelqu'un de cet âge pour réunir les gens. Mais il a réussi un truc. Alpha a réussi une seule chose. Ça, c'est pas fou. Le côté des récompenses. Donc, il va passer toute sa vie à récompenser. Parce qu'il sait que là où il est là, là, comment il est venu là, il le sait. C'est un petit groupe de personnes. C'est un groupe de petits. Un petit groupe de personnes qui s'est réuni, vous le savez, tout le monde le sait. Il va dire qu'il doit quoi au RPC ou au RPG. Il va dire que mais j'ai passé tout ce temps-là avec vous, je n'arrivais pas, combien d'années, j'étais devenu comme un fou. Mais ceux-là sont venus me récupérer, c'est pourquoi les gens-là sont à côté de lui. Et ces gens-là seront toujours là. Personne ne peut rien contre ça. Non, il ne faut même pas se fatiguer. Il ne faut même pas se fatiguer pour ne pas que ça aille dans un sens qu'on n'imagine pas. Après, moi, ça ne me dérange pas. Hein. Tout me va. C'est parfait pour moi.